Bonjour et bienvenue dans le 32e épisode de ce Let's Play concernant Neverwinter Nights. Alors, j'ai fait des petites choses hors caméra, je me retrouve là où j'avais laissé la partie. Donc, j'ai la réponse pourquoi je n'arrivais pas à avoir la quête. Je ne l'aurai pas. Pour l'avoir, il faut jouer, incarner un homme. Donc là, on... Bonjour, madame. Voilà. Je m'appelle Tanis. Je vais faire en sorte que votre séjour... Bon, hop. Bon, alors je pensais qu'il suffisait de s'envoyer en l'air, mais non, apparemment faut discuter. Bon, bah. Alors, ma chère, très chère dame, je serai plus qu'heureux de vous satisfaire plus tard. Allons, un peu plus doucement, nous pouvons éviter le langage de la rue ici. Vous savez écouter, le fait de parler détend-il vos clientes? Les gens importants n'ont pas souvent l'occasion de se confier. Je suis une sorte de substitut, d'ami. Si besoin est, dites-moi ce qui vous préoccupe. Là, c'est pour éviter le bruit des torches. Ouais, se plaindre de la solitude de la vie d'aventurière. Il est normal que vous ressentiez cela. Beaucoup de personnes haut placées ont des aspirations qui semblent impossibles à combler, malgré leurs importantes responsabilités. Vous pouvez vous détendre avec moi. Je ne suis pas ici pour vous juger ou pour chanter vos louanges. Je suis avec vous, débarrassé de vos apparences. Vous êtes fidèle à vous-même et vous suivez la voie que vous avez choisie car c'est ce que vous pensez être juste. C'est le signe d'une femme qui sait ce qu'elle veut. Bon, tout va bien, je suis forte. Je ne doute pas de vos capacités, mais votre armure est-elle sans faille? Les femmes qui ont du pouvoir croient parfois que le besoin est une faiblesse. Vous semblez espiègle, irrévérencieuse. Peut-être quelqu'un qui aime se jouer des gens. Cela peut vous éloigner de vos compagnons. Je peux me rapprocher si vous le désirez. C'est pour ça que je suis ici, et vous aussi, il me semble. Ce dont j'ai besoin, c'est vrai. Vous faites ça pour aider les autres. Ah. Écoutez, si vous cherchez la bagarre, vous n'aurez aucune peine à vous trouver un adversaire dehors. Je ne vais pas me laisser entraîner dans une joute verbale. Mon travail consiste à écouter. Si vous ne pouvez imaginer que je puisse être honnête, la porte est derrière vous. Bien, vous disiez parlons de vous et de ce que vous aimez. Moi, je serai ce soir ce que vous attendez de moi. Je serai un confident et un ami, si c'est ce dont vous avez besoin. Bon, alors, d'où venez-vous et quelle est votre histoire? J'ai été élevé avec 5 sœurs. En quittant la maison, je ne me suis pas vraiment senti à l'aise avec les dockers ou les bûcherons. Ce n'était pas une grosse perte. Je préfère parler d'autre chose. Bien entendu, nous pouvons passer notre temps comme vous l'entendez, dans les limites du raisonnable, naturellement. Le bien-être a tellement d'importance. Alors, arrêtons les discours et envoyons-nous en l'air. Ma chère, peut-être puis-je vous poser quelques questions sérieuses? Si vous y tenez, ce n'est pas une bonne idée, mais je vais faire au mieux pour vous être agréable. Que savez-vous du fléau? Désolé, mais Ophala ne veut pas qu'on en parle. En prononçant le nom d'un démon, vous l'invitez à entrer. Nous voulons que le masque de Pierlune reste un lieu d'évasion. Confiez que votre rôle peut être important dans le traitement du fléau. Voilà, c'est ce que je vais faire. Eh bien, ça doit être une très lourde charge. Tâche. Tant de gens comptent sur vous, même s'ils l'ignorent. Cela doit peser sur votre conscience. Je ne peux vous aider quelle que soit la tâche que vous vous êtes fixée, Scara, mais je peux tenter de vous apaiser. Ici, vous pouvez montrer votre vulnérabilité. Bon alors, ne devriez-vous pas avoir honte de travailler ici? Les gens pensent que les femmes qui font cette profession n'ont aucune morale et que je suis une espèce de démon libertin. C'est leur problème, pas le mien. Si vous pensez que je suis malhonnête, je ne pourrai pas vous convaincre du contraire. La porte est derrière vous, vous êtes libre de la prendre ou de rester. Bon, alors... Normalement, je préfère parler d'autre chose. Vous savez, écoutez, le fait... parlant de vous... Ouais, je comprends pas. Vous savez, écoutez, le fait de parler détend-il vos clientes? Voilà, se plaindre du manque de respect. Voilà. Il est normal que vous ressentiez cela. Beaucoup de personnes ont placé. Bon, j'ai déjà dit. Bon, alors, tant pis. Hein, voilà, j'avais dit que j'allais partir. Bon, c'est votre droit. Mais sachez que vous devrez acheter un autre jeton de passe si vous souhaitez me parler de nouveau. Voulez-vous toujours partir? Bon, je vais rester un peu alors, je pense. Je m'en doutais. Voulez-vous que nous parlions encore un peu? Arrêtons les discours et envoyons-nous en l'air.
Ma chère, oh, et puis ça me gonfle, hein, c'est juste pour. Ah, bon, alors là, j'ai perdu mon temps. Normalement, on était censé avoir une récompense de 50 XP. Bon, voilà. Alors là, ce que je vais faire, je vais aller. Je me suis rendu compte que j'avais oublié un mercenaire que je n'avais pas engagé, donc on va aller l'engager, on va aller au marché des lames. C'est quoi, c'est une sortie là? Bon, putain, mais qu'est-ce qui se passe? Le son est horriblement fort. Enfin, pas horriblement, mais il est fort. Alors, bon, je ferai une ellipse tout à l'heure pour aller là où il y a les quatre épées. Bon, là, on va partir pour 10 minutes de parlotte là. Bon, je vérifie ça parce que je trouve le son très très fort. Bon, évidemment, je l'ai dépassé. Tiens, fais voir, est-ce que j'ai ouvert ce coffre? Ouais. Chou. Bon. Arrête-toi! Salutations. Bon. Normalement, ah bah tu vois, pendant que je suis là, je vais vous montrer ce que j'ai. Attendez, oui, je peux pas. Alors, j'ai mis un peu de musique, hein. Non, j'ai rien là. Non, c'est pas ça. Bon, j'ai enchanté la masse d'armes. Elle fait 1 des 8, 1 des 8, donc elle tape deux fois. Et en plus, avec l'ange, enfin, quand je suis allé à la forge pour la bidouiller, ça lui a fait perdre 60% de son poids. Donc je la garde, même si je peux pas l'utiliser, il faudrait que je prenne une arme exotique pour le prochain don, enfin pour un don prochain. Bon, j'ai fait l'épée longue plus 1, elle est devenue ça, ouais, avec un dégât de son de 1 des 4. Bon, ben voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi? Bon, ben, l'épée courte, je crois que je l'avais déjà faite. Bon, et bêtement, oui, je l'avais déjà faite. C'est quoi ça, masse d'armes double plus 1? Ah, ça, il faudra peut-être que je le vende. Oui, il faudra que je le vende. Ça, je l'ai pas fait. Ça, je l'ai pas fait non plus. J'ai fait le cimeter. Il rapporte, il ajoute, ça a ajouté un dégât de feu de 1 des 6. La rapière. Ah non, bah alors c'est, tiens, c'est étonnant ça. Puisque c'est la même chose que pour celle-là. Ouais, poussière féerique. Bon. Bon, je vais en avoir encore. Voilà. Alors, j'ai fait la hache double. Bon, elle fait un dégât de feu de 2 en plus. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait l'étoile du matin, là. Elle rajoute lenteur. Voilà, les caractéristiques, hein. J'ai fait cette armure-là. Jet de sauvegarde renforcé, plus 1 de vigueur, utilisation, détection de l'invisibilité, utilisable une fois par jour. Donc ça m'ajoute un sort supplémentaire. Bon, alors il faut que je la trouve la dernière, là, parce que je sais pas où elle est. Bon, on va sauvegarder, hop. Bon, allez, hop. S'il vous plaît. Je vous ai déjà dit que je ne voulais pas marcher sur votre chat. Il est passé juste devant. Oh, vous n'êtes pas cette autre personne. Oh, que c'est gênant. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Qui êtes-vous? Avant de vous dire quoi que ce soit, j'aimerais vous poser une question, si vous ne voyez pas d'inconvénient. Attendez, un peu, je bouge la souris. Allez-y. Vous n'êtes pas de ces sales voleurs sournois et trompeurs, n'est-ce pas? Je n'aime pas le reste de la description, mais si je suis une voleuse, ça me résume plutôt bien, oui. Attendez, je vais voir si j'ai la cape de persuasion, charisme. Non, j'ai un truc de persuasion, c'est quoi? Ah, c'est le truc des bardes, voilà. Bon, je vais lui mentir. Oh non? Ah bon, ça va. Et même, vous n'avez pas vraiment la tête d'une méchante. Je n'ai eu que des problèmes avec des voleurs méprisables et irritants depuis que je suis parti. Mais peu importe, permettez-moi de me présenter. Bien. Je suis Linu Lanéral.
prêtresse de Céanine Lunarque. Je cherche à me faire engager comme guérisseuse par un groupe d'aventuriers. C'est parce que j'ai trouvé dans mon inventaire, je sais plus où il est, le calice, voilà ça. Je me suis dit, à quoi ça sert ce truc-là? Et en fait, c'est l'objet de sa quête à elle. Voilà. Je ne crois pas. Pourquoi? Je cherche un bon guérisseur capable de m'aider dans ma mission. J'ai envie de vous faire confiance et j'ai besoin de travailler. C'est vrai, mais je n'accepte pas les propositions douteuses. Si vous me parliez un peu de cette mission. Bon, comme d'habitude, je travaille pour Damaribès, mais ma mission est confidentielle. Je comprends. Mais si vous travaillez pour Damaribès, nul doute que notre mission doit être de la plus haute importance. Haribès œuvre dure pour venir au bout de l'épidémie, et si elle juge bon de vous faire confiance, c'est que je le peux moi aussi. J'accepte de travailler pour vous à condition que nous nous mettions d'accord sur un prix. Elle va vouloir 200, mais mon but dans la vie est de connaître le moins de douleurs possible. Mais il faut parfois survivre. Pour cela, il faut un guérisseur d'expérience. Je promets que je ferai de mon mieux pour vous garder en vie, pour vous garder en parfaite santé. Je regardais combien j'avais d'argent. Puisque nous sommes toutes deux du peuple elfe, je vous fais un prix, 150 pièces d'or seulement, et vous aurez une guérisseuse et une guerrière. Ça paraît un peu cher, je vous en donne 100. Bon, non, bon, ça rate. Alors 150 est ma dernière offre. Pensez au prix de voyage répété à un temple pour être guéri. Ça, c'est pas faux, ça. Bon, il me faut une bonne guérisseuse, voici vos 150 pièces d'or, bienvenue à bord l'île. Vous ne le regretterez pas, cher Kara. Mes noms sont à vos ordres. Ok, fin du dialogue. Voilà, bon. Donc, elle m'a donné sa fleur. Donc, maintenant, on va lui faire cracher son histoire. Alors, je veux juste parler avec vous. J'adore discuter, mais... Si nous devons travailler ensemble, j'aimerais en savoir davantage à votre sujet. C'est compréhensible, j'imagine. Cela fait longtemps que j'ai quitté mon domicile et mes amis. Moi aussi, j'aimerais bien mieux vous connaître. Très bien, Kara. Quelles sont vos questions? Pourquoi êtes-vous parti de chez vous? Vous ne commencez pas par le plus facile, hein. C'est un peu plus compliqué à expliquer, mais je vais essayer. J'ai travaillé au temple de la pleine lune à Evereska pendant environ 6 ans avant de partir de chez moi. J'adorais le calme qui y régnait. Mais même là-bas, les accidents et coups du sort me compliquaient la vie. Ce n'était rien de grave, juste des concours de circonstances néfastes. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'avais pas de chance. Bah, ça arrive à tout le monde de temps à autre. Voilà. Il n'y a pas que ça. Parfois, je suis un peu crédule. C'est ce qui m'a causé des problèmes et m'a fait partir d'Evereska. Je collectais l'impôt un jour quand une silhouette encapuchonnée est venue mendier au temple. On aurait dit un enfant affamé. Aussi l'ai-je fait entrer dans le sein des saints pour lui donner à manger. Quand je suis revenu, il était parti. Et il manquait autre chose, quelque chose de très précieux pour l'église. Qu'avait-il volé? Pardonnez-moi, mais je ne peux plus en parler. Nous ne nous connaissons pas bien et je ne peux pas partager mon souvenir le plus douloureux avec une étrangère. Non, Linu, je veux entendre ce que vous avez à dire. Je vous en prie, Nénia. Bon, il va falloir le faire en 2-3 fois encore. Puis-je pour vous? Je veux juste parler, j'adore discuter, pensez-vous à ma mission, racontez-moi votre histoire. Je vous remercie d'avoir attendu patiemment que je vous raconte mon histoire. Bon, j'ai pas vraiment attendu patiemment, j'ai attendu 30 secondes. Je crois que nous avons vécu suffisamment de choses ensemble pour que je vous fasse confiance. Ah oui, ça c'est... On a fait plein de choses ensemble. Je vous demande simplement de ne pas vous moquer, car c'est une tâche sur mon blason. Il y a de nombreuses années, un prêtre a rendu service à la communauté d'Evereska, mais alors avant c'était merde. Une seconde. C'est moi qui ai mal lu. Evereska, et là c'est Evereska. Donc je vais continuer sur Evereska parce que je l'ai vu plus souvent avec un E qu'un A. Bon, un prêtre a rendu service à la communauté d'Evereska en dévoilant un complot des elfes noirs visant à détruire la ville. Céanine Lunarque vint remettre au prêtre un gobelet d'argent. Et c'est ce qu'on a volé? Oui, le voleur l'a sorti du temple et a pu parvenir à se glisser hors d'Evereska, ce qui n'est pourtant pas une mince affaire. Les autres prêtres étaient furieux. Seul le grand prêtre a bien voulu admettre que ça aurait pu arriver à n'importe qui, mais ce n'était pas le cas, bien sûr. C'est arrivé à la personne qui avait cassé la tête de la statue d'or de Corellon. Donc c'est une gaffeuse.
Je ne savais pas quoi faire et je suis resté debout toute la nuit, priant Céanine de me guider. La déesse a entendu ma prière et juste avant le premier rayon du soleil, j'ai reçu une vision. Que s'y passait-il? Je me vis quitter Everaska, là, bon, honnêtement, je sais pas, et entreprendre un long voyage. À son terme, je revenais avec le calice. Le voyage lui-même était flou. Je ne savais pas où aller, à part au nord et à l'est, et à l'ouest. Attendez, je coupe. Désolé, mais parler me fait tousser en ce moment. Quand j'ai parlé au prêtre de la vision qui m'éloignerait d'eux, ils ont tenu une fête en honneur de ma quête sacrée. Ils étaient surtout contents de se débarrasser d'elle. Ce fut la première fois de ma vie que je me sentais vraiment accepté. Oui, je suis sûr qu'ils étaient tous fous de joie. Pour vous. Non. Ouais, je vais pas être méchant, hein. Mais ils ne me verront jamais dans leur ville. Ma quête a échoué. Pas encore. Vous le trouverez un jour. Pas encore. Vous le trouverez un jour. J'arrive pas à trouver le ton qu'il faut. Nous pouvons le trouver en y travaillant tous les deux. Non, vous ne comprenez pas. Personne ne comprendra. Je serai rejeté toute ma vie. Je vous en prie, j'aurais pas dû aborder. Voilà. Donc maintenant la troisième partie. Je veux discuter. Racontez-moi votre histoire. Je devrais être heureuse de partager la tâche ardue qui m'attend avec une amie, j'imagine. Si je ne puis me tourner vers une autre elfe pour m'aider, personne ne m'aidera. Je suis désolé de tant de désespoir. Je suis désolé de tant désespérer. Mais voyez-vous, j'ai déjà trouvé Calice d'argent de Lunark une fois. Je l'ai trouvé dans une ville appelée Lurk. Mais, oh Kara, j'ai l'air perdu. Comment avez-vous fait pour le reperdre? Par tous les dieux. J'ai donc trouvé le calice dans la ville marchande de Lurk. Le voleur, un Aflin, voulait le vendre à un marchand de Zent. Mais quand il a essayé d'en tirer 500 pièces d'or, le Zent a affirmé que cette relique était un hommage à Ben. Le voleur protesta, mais le maire de la ville est également à Zent. Aussitôt, le Aflin fut arrêté et accusé du meurtre d'une vieille dame qui avait craché au visage du soldat Zent la veille. Bizarre. Il était bien sûr innocent. Je suis toujours choqué de savoir que les gens peuvent se montrer aussi injustes. Comment avez-vous appris tout ça? J'ai découvert ce qui lui est arrivé et ce qui lui était arrivé en arrivant en ville et en voyant la foule prête à le lyncher. Tout le monde riait et racontait l'histoire à qui voulait l'entendre. Ils avaient l'air de penser que cette injustice était drôle. Mais ce sale marchand était là pour la pendaison et il buvait dans le calice sacré. Il a osé faire ça? Incroyable! Ils avaient déjà passé la corde au cou du Aflin quand j'ai appris toute l'histoire. Je ne savais pas quoi faire, mais je devais les arrêter. Je me suis élancé en leur criant d'arrêter, mais j'ai glissé et je suis tombé dans la foule. Ça, c'est une vraie maladroite. En levant les yeux, j'ai vu le visage d'une gentille grand-mère. J'ai tendu la main vers elle, mais elle m'a donné un coup de pied dans les dents. Oh, bah, c'est affreux. Une vieille dame vous a frappé? Cela peut paraître amusant, c'est exact, mais c'était terrible sur le moment. Ça, c'est exact aussi. La foule a commencé une bagarre générale, en riant tout du long. J'ai rampé le plus loin possible et fui la ville en larmes. Je suis arrivé à la forêt et je me suis affalé dans les sous-bois. J'étais en train de pleurer quand une brindille a cassé derrière moi. Je me suis retourné et j'ai vu le Aflin. Il m'a fait un clin d'œil et m'a montré le calice qu'il avait dans la main. J'ai crié que je devais le récupérer, mais il a ri avant de disparaître dans la forêt. Je ne l'ai plus jamais vu. Pas de soucis, Linu, je vous aiderai à retrouver le calice. C'est gentil à vous, merci, c'est la réponse d'une véritable amie. Je sais que je ne retrouverai probablement jamais le calice, mais Kara, je n'abandonnerai jamais. Je dois la ramener au mien pour laver mon honneur. Est-ce de ce calice-là dont vous parlez? Le calice d'argent de Lunark. Merci, Kara. Je ne pourrai jamais vous remercier assez pour cette preuve d'amitié que vous me faites. J'ai ici quelque chose qui pourrait vous servir. Voici le pendentif de l'elfe. Il a le pouvoir de renforcer certaines de vos capacités grâce à celles de vos ancêtres elfes. Vous avez prouvé aujourd'hui que vous êtes une véritable amie des elfes. Ce pendentif ne fonctionne que pour ceux qui font preuve d'une telle valeur. Je suis fier d'être votre amie, Kara. Bon, grâce à vous, Kara, je peux ramener le calice à sa place et je le protégerai de ma vie jusqu'à ce que je puisse me rendre à Vereska. Alors, ils alternent Vereska et Vereska, hein. Jusque-là, je resterai à vos côtés. Ouais, bon, je reprends. Voilà, bon. Enfin, c'est fini. Alors, on reprend. Je vous attendais. Voilà. On le reprend parce qu'il a l'air efficace au combat. Donc, voilà, on a réglé la question des quêtes des mercenaires.
Maintenant, je vais retourner au lac noir pour faire les. C'est ici, le... non, c'est là, lac noir. Oui. Donc, je suis là. Ah oui, j'allais dire, c'est plus rapide de passer par le. Oui, je vais faire une petite sauvegarde là parce qu'il y a une petite ellipse. Parce qu'il faut passer l'espèce de No Man's Land là. Donc, je vous. Re... je vous... Je vous retrouve tout de suite. Hein. Voilà, donc je vous retrouve juste à l'entrée du de l'espèce de crypte là où il y avait les quatre épées. Alors ça va être du carnage là parce que elles étaient. Allez. Ah bah j'ai déjà perdu Renus. Voilà, hop, sauve-toi, 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 sauve-toi. Bon bah. La charge est partie. D'accord, oui. Ouais. Bon sang, ouais, ça commence bien. Parce que ça va me faire. Elles valent 200 points d'expérience par. Attends, je vais partir. Waouh. Non, 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 sauve-toi, 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 sauve-toi. Ah, puis l'autre, il est mort, là, putain. Fais chier. Je sais même pas s'ils ont fait des dégâts. Bon, on retourne au temple. Oh, puis on va chercher le doigt, là. Être arraché. Oui, hop. Vous avez vu, j'ai fait un peu de ménage ici, hein. J'ai vendu toute ma cacaillerie. Comme toujours, vous êtes bienvenus. Nous attendons tous avec impatience que vous les récupériez. Dès que nous aurons le... Est-ce que je peux invoquer Brennus? Capacité spéciale, celle-là. Oui. Voilà. Attaquer les plus proches. Toi, attaquer le plus proche. Portail astral, voilà. Bon. En espérant qu'on leur a fait quand même un peu de dégâts. J'en doute fortement, mais. Voilà. J'espère que vous aimez souffrir. À peine blessé, indemne. À peine blessé, indemne. Ok, donc, on va s'attaquer à celle-là. Waouh! On a dû leur faire un peu de dégâts quand même. Oui, faut... Quand on en aura tué une. Ouais, quand on aura tué une, ça ira mieux. Mais est-ce que je peux pas. C'est quoi la... ça? Ça, c'est la force. Ça me donne de la force, mais je peux pas l'enlever. Qu'est-ce que c'est ça? Un droublard. Ah, attendez, attendez, j'ai un. J'ai un anneau qui me permet de régénérer celui-là. Charisme plus 1, régénération plus 1. Oui, on va voir ce que ça donne. Ça, c'est quoi? Tranchant, résistance plus 5. Ça pourrait être bon, ça. Oui, j'ai pas besoin de ça. Ça, c'est quel banc? Parade, oui, mais ça, je... Discrétion. Ah bah voilà une autre armure. Non, ça c'est. Non, c'est pas des armes. Non, non, bon. Alors, est-ce que j'ai quelque chose qui pourrait m'être utile? Bon, on va considérer que non pour l'instant. Je suis qu'à 18 de. Ça fait quand même pas beaucoup. Alors, on va sauvegarder. On va. Ah bah non, évidemment, je me suis pas reposé. Vous voyez, je récupère des points de vie là. J'ai récupéré des points de vie grâce à l'amulette. Pas l'amulette, la bague. Et ben ça promet d'être long hein, si
Si je suis obligé tous les deux coups de y aller. Hop, pause. Pas de blessé. Et elle est où l'autre? On en a une. Ah, on en a une. Ah, très bien. Alors. Laquelle est à peine? Oui, bon. On va s'en prendre à celle-là. Nous avons tous rendez-vous avec la mort! Waouh! Voilà, c'est très bien ça. Casse-toi. Voilà, hop. Ah bah très bien ça. Ah bon, il faut que j'attende un peu. Hop, est-ce que je peux me reposer maintenant? Voilà. Très bien ça. On en a eu deux. Et puis on a fait des dégâts sur l'autre. Donc je vais récupérer Brennus, voilà. Ah oui, non mais comme je suis pas tout seul, ça vaut pas 200 comme je l'avais dit. Hein. Tant pis. J'ai pas envie de passer des jours à essayer de les torcher. Pause. Laquelle? Voilà, on va se faire celle-là. Elle est presque finie. Voilà, c'est bon ça. C'est très bon ça. Ah bah impeccable. Y a pas de loot, y a pas de... Bon, voilà, c'est très bien ça. C'est très bien ça. Allez, hop, on retourne au temple. Hein. Et je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Il faudra de toute façon, il faut que je retourne. Je sais plus où il faut que j'aille d'ailleurs. Si, je pense qu'il va falloir. Oh non, je sais pas. Il faudra que je cherche. Bon, alors je fais ma petite sauvegarde. Hein. Hop, traditionnel. C'est là, ça va être la fin du chapitre 1. Ah oui, mais non. Je crois qu'il faudra que... En fait, c'est là que maintenant il faut que j'aille parler à Aribes pour lui dire que j'ai le quatrième élément. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce let's play et j'espère vous retrouver la prochaine fois. Merci, au revoir.